Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, fier papa rôliste. Écoutez, oui, je suis un papa fier de ses enfants et évidemment, on est fier de nos enfants. Vous savez, peu importe ce qu'ils font dans la vie, je pense qu'on aime ça les supporter, les aider dans leur projet. Puis évidemment, tous nos enfants font toutes des affaires que nous autres, on n'a pas faites dans notre vie. Que nous, on n'avait pas d'intérêt, mais nos enfants s'intéressent à des affaires. Bon, tu sais, c'est normal, c'est comme ça. Tu sais, je ne traite pas nécessairement ces mêmes affaires que mon père, mais malgré que j'aille pas ça faire ça avec lui, mais tu sais, lui, il tripe sa pêche, puis il fait de la plomberie, tu sais. Moi, je suis pas pantoute dans ces deux affaires-là. Moi, je suis rôliste et musicien. C'est mes deux grandes passions dans la vie, hein. Mais ça donne que mes enfants tripent sa même affaire. Mais oui, entre autres, mais j'avoue qu'ils aiment ça pas mal. Puis c'est ça, donc je suis très fier de ça. Musicien, juste faire ouvrir une parenthèse là-dessus, ils ont toujours été exposés à ça. T'sais, moi, depuis qu'ils sont nés, là, ils ont vu papa faire des spectacles, ils ont vu l'arrière-scène, ils ont fait des spectacles, ils ont parlé à des musiciens. Ça, ils ont comme baigné dans cet univers-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont vraiment la piqûre. Puis ils sont musicalement, ils sont presque tous très, très autonomes, puis ils performent, ils pratiquent. C'est vraiment le fun. Tu sais, ils ont toujours été là-dedans. Tu sais, je prends mon plus vieux, là, des bébés, là, les instruments de musique étaient à sa portée, là. J'avais installé une guitare une fois, là, puis il aimait ça, jouer avec les cordes, mais il avait vomi dans le trou aussi, là. Dans la rosace, ça sent encore. J'ai, malgré mes efforts pour enlever l'odeur, il y a une autre fois qu'il y en a un, qu'il voulait jouer avec ma guitare. Allé dans le sous-sol chercher la guitare, ben, elle était lourde, fait qu'il la traînait par le manche, puis moi, j'entendais les escaliers. Poc! 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 C'était ma guitare. Mais voilà, tu sais, ils ont toujours été exposés à ça. Et c'est la même affaire que le jeu de rôle. Même affaire. Mais tu sais, depuis qu'ils sont nés, tu sais, c'est quelque chose qui est courant, quelque chose qui est récurrent. Ça revient toutes les semaines, tu sais. Pendant un bout de temps, c'était juste le vendredi soir. Papa, il était avec ses amis. Puis il racontait des histoires étranges en roulant des dés, tu sais. Mon plus vieux, il avait même pas un an. On allait le coucher dans son lit. Puis je repartais ma game, tout ça. Fait que tu as toujours été là-dedans, tu sais. Fait que mes enfants trippent pas mal jeux de rôle, en fait. Les trois, là, ils trippent pas mal. Je vais vous parler plus de mon plus vieux parce que ça va m'amener un peu à pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Peut-être un accomplissement au niveau de mon plus vieux. Enfin, je vais juste faire une idée de son cheminement, tu sais. À un moment donné, tu sais, tout petit, c'est sûr qu'encore une fois, il me voyait régulièrement, toutes les semaines, jouer avec mes amis. Puis à un moment donné, il s'intéressait à ça, tu sais. Il voulait embarquer, il m'en parlait, tu sais. Il voulait faire de quoi, tu sais. Fait que c'est là, en fait, c'est grâce à lui que j'ai découvert Hero Kids d'une certaine façon parce que j'avais besoin d'un jeu pour lui, adapté pour lui, parce que les jeux que je faisais, ben, tu sais, je trouvais ça peut-être un peu heavy là, pour expliquer à un petit gars de 3-4 ans, tu sais. En fait, il avait plus de 5 ans, mais quand même, tu sais, il était petit pour les jeux qu'on faisait à l'époque. Fait que, tu sais, en faisant des recherches sur Internet, c'était l'année que c'était sorti Hero Kids, ça avait gagné des prix. Clairement, c'était sorti dans mes premiers choix, puis tu sais, c'était bien abordable. Fait que je l'ai acheté, puis tu sais, j'ai zéro regret. Là. Tu sais, j'aime encore Hero Kids aujourd'hui. Puis c'est ça. Ce qui fait que le vendredi soir, avant notre game régulière, ben tu sais, je faisais une petite game, je faisais une demi-heure avec lui. Puis avec mes joueurs réguliers, ou des fois leurs enfants, tu sais, ça dépendait des fois. Mais reste qu'il était exposé à du jeu de rôle presque à toutes les semaines. À jouer à Hero Kids, tout ça, puis en redemandant encore. T'sais, vraiment, là, il me disait, c'est la meilleure affaire, l'affaire la plus fun que je fais, c'est ça, du jeu de rôle. OK? Mais tu sais, c'était le fun de savoir que ça l'intéressait, puis qu'il aimait ça. Surtout que des fois, je disais, ouais, tu fais pas mal de jeux vidéo. Ben ouais, mais papa, faudrait que tu me fasses faire plus de jeux de rôle. Ah, OK! Bon, tu sais, au moins, même s'il consomme du jeu vidéo, même peut-être un peu trop à la limite, mais au moins, il y a de quoi qu'il aime plus, puis qu'il n'y ait pas de jeu vidéo, c'est du jeu de rôle. Ben, au fil du temps, à un moment donné, tu sais, vu qu'Hero Kids, je voyais le potentiel de ce jeu-là, ben, tu sais, il y en a qui connaissent l'histoire, mais je l'ai amené à la bibliothèque. Dans la variété d'activités que j'offre, j'ai mis le jeu de rôle, puis Hero Kids faisait partie du menu, puis ainsi que des jeux pour les plus vieux. C'est devenu Dranchon et Tracon après quelques expériences, mais Hero Kids, j'ai pas fait de belle expérience, c'était comme ça marchait tout de suite. Fait que, évidemment, j'en profitais pour emmener mes enfants. Puis c'est ça, fait que, il jouait à du jeu de rôle. Puis ça, là, c'est intéressant cet aspect-là, parce que il jouait avec du monde différent. Tu sais, quand t'es habitué avec ta gang, t'as comme un, comment je pourrais dire, un genre de truc de routinier qui s'embarque, puis tu connais le comportement des autres aussi. Faut dire aussi que ma gang du vendredi, il n'y avait pas tant d'enfants que ça. La plupart du temps, c'était des adultes. Là, il jouait avec des enfants, étant donné que c'est dans un cadre de bibliothèque, c'était pas toujours le même groupe. Mais eux autres, c'était assez constant, parce que pour moi, c'était
une occasion de les amener. Fait que je les amenais tout le temps. Puis Hero Kids, juste pour vous dire, là, quand ça va revenir, quand j'en faisais, en fait, je faisais deux séances par avant-midi. Ben, c'était une heure chaque. Fait que, tu sais, c'était deux séances qui, théoriquement, avaient du monde différent, mais étant donné que j'avais mes enfants, ben écoute, j'ai gardé avec moi les deux séances. Fait que, des souvent, là, c'est ça, là, ils apprenaient quelque chose sur le jeu de rôle, parce que, des fois, je présentais le même scénario deux fois. Mais moi, je les briefais entre les deux scénarios. Là, ça va être la même aventure. Papa va changer des affaires, là, mais dites pas toutes les punches. Mais écoute, ils trouvaient ça le fun, eux autres. Fait que, là, ils jouaient deux fois l'aventure. Fait que, tu sais, ils apprenaient le jeu de rôle avec deux groupes différents, ils voyaient deux histoires différentes avec la même base de scénario. Tu sais, ils étaient exposés à ça, mes enfants. Mon plus vieux, à un moment donné, il dit, je veux être meneur de jeu. Je voulais l'aider à la bibliothèque. Il dit, oh, attends un peu, faut que t'apprennes, tu sais. Fait que, à un moment donné, j'ai fait des recherches, puis je suis tombé sur des critiques qui parlaient de Daystart. Je sais pas s'il existe encore le jeu, mais sérieusement, je pense que pour introduire un jeune qui a, tu sais, 9, 12 ans, là, tu sais, qui n'a jamais fait de jeu de rôle, qu'on veut vraiment partir à zéro, là. Sérieusement, des starts, c'est, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, là. C'est très, très clé en main. Écoute, je vais vous faire une critique à un moment donné, mais rapidement, même dans la boîte, t'as une dizaine de scénarios. Ils sont tous dans des univers très, très, très différents. Des univers très accrocheurs pour des jeunes de cet âge-là. Un système de jeu facile à prendre en main, tout ça. Écoute, lui, il a vraiment embarqué là-dedans. Puis là, ma game du vendredi, au lieu que ça soit moi qui faisais jouer Hero Kids ou peu importe, le jeu pour les enfants, mais je disais, tu vas être meneur de jeu. Fait que là, je l'installais meneur de jeu avec son D-Start, puis il faisait jouer mes joueurs et des fois son petit frère. Puis écoute, moi, j'étais dans une autre pièce pour les enfants plus jeunes, puis je faisais du Hero Kids. Mais j'entendais d'un oreille, écoutez, il y avait de l'air d'avoir du fun. Mon fils était meneur de jeu, mais la gang, là, il riait aux éclats. En même temps, mon fils apprenait. Il apprenait à c'est quoi être un meneur de jeu. T'sais, puis, t'sais, question de bien timer ses décisions, puis t'sais, un peu comment gager son aventure. Puis, mais il apprenait, c'est ça. Puis, tout en ayant, en voyant qu'il faisait, que les gens riaient autour de la table, puis t'sais, probablement que c'était super valorisant pour lui. Là. Fait qu'il a appris avec des starts. À un moment donné, il a voulu comme amener ses chums à jouer à ça, mais t'sais, il voulait peut-être des jeux plus crunchy. Il m'a demandé Savage Worlds. Il l'a essayé, il l'a lu, hein, en fait, Savage Worlds. Puis il a essayé de faire jouer ça à ses amis, mais je pense que c'était peut-être un peu trop crunchy pour eux autres. Il leur a fait jouer à Chronique Oubliée Mini. Puis ça a relativement bien marché, tout ça. Mais à travers ça, c'est sûr qu'il participait à toutes sortes d'affaires. De plus en plus, il commençait à être de plus en plus autonome. Il venait jouer à mes games de Tranchons et Tracors Bibliothèque. Même situation, il se retrouvait avec des groupes différents, tout ça. Puis là, je l'ai amené à Draconis. Là, ça, là, sérieusement, là, vous voulez savoir de quoi, organisateurs de Draconis qui sont en train de regarder cette vidéo-là, là, clairement, là, si vous dites dans votre vie, là, nous autres, dans notre but, là, c'est de faire au moins plaisir à une personne, là, mais je vais vous dire que c'est mon gars. Lui, il vient fou raide quand on lui dit que Draconis s'en vient, là, il est pas tenable. Il veut tout s'inscrire à tout, veut jouer 24 heures sur 24, et il vient fou raide. C'est comme, tu sais, sa meilleure affaire de l'année, là. C'est plus hot que Noël, là. Tu sais, quand Draconis arrive, là, vous dis, là, mon fils le plus vieux, il est fou raide. Puis son petit frère aussi, il capote pas mal, tu sais. Je vous dis, là, Draconis, c'est job done. Vous rendez quelqu'un de très heureux ici. Puis juste le dernier Draconis, étant donné qu'il est en ligne, nous autres, à la maison, il y avait une logistique d'ordinateur qui était un peu complexe, qui fait qu'il pouvait pas jouer nécessairement toutes les plages horaires, puis il était fâché, là, tu sais. Mais bon, c'est ça, vous voyez. Fait que ça revient en présentiel, Draconis, l'année prochaine, croyez-moi, il amène son sac de couchage, puis il couche dans la place. Tu sais, puis il est autonome. Puis, tu sais, après ça, il a commencé à jouer en ligne, à Donjon. Ça fait une couple de mois dans une game de Donjon, deux semaines, ça a l'air de tenir la route. Il a commencé à jouer à Star Wars avec Pierre. Tu sais, il est autonome, là. Fait que, tu sais, à 13 ans, il a été exposé à du jeu de rôle depuis qu'il est né, là. Fait qu'il a joué à toutes sortes d'affaires, il a essayé toutes sortes d'affaires. Puis, tu sais, il y a une expérience rôliste. Moi, j'ai commencé, j'avais 13 ans, là. Fait que c'est sûr que pour moi, je trouve ça bien impressionnant. Il est rendu vraiment plus loin. Et là, ça m'amène à cet après-midi. En fait, depuis une semaine, Christophe, mon plus vieux, je viens de le nommer, bon, Christophe, il vient de... Il me parlait de Tranchons et Tracons. Ouais, peut-être que je voudrais jouer avec ça, mes amis, là, pis ça. Ça a l'air qu'ils sont en train de se construire une cabane dans le bois, là, tu sais, l'affaire de main, là. Des amis d'école, là. En tout cas... Puis, ils veulent jouer, ils veulent faire du jeu de rôle à l'extérieur, tu sais.
Là, il me parlait de tranchons et tracons, il me posait des questions. T'as-tu tes livres, tout ça? Puis, tu sais, j'ai comme montré, ben, il l'est là, là, si tu veux le lire, tout ça. Puis, tu sais, je le sais qu'il a été autonome. Là, cette fois-là, je l'ai laissé aller. Je le sais qu'il a lu le livre. Il a étudié ça. Puis après midi, tu sais, je le savais pas, mais il dit, ah, mes amis, ils s'en viennent dehors, là. On va s'installer dehors avec des chaises éloignées, puis on va faire tranchons et tracons. Ah ouais? OK, tu peux-tu me faire photocopier des feuilles? Ouais, j'ai mon imprimante pour faire des photocopies. J'ai fait photocopier une couple de feuilles. T'sais, je m'attendais à des questions, mais il n'a pas vraiment eu. Il est parti avec ses feuilles. À un moment donné, sa gang est arrivée. Ils se sont installés dehors, mais vraiment dehors, là. Puis là, voilà, tu sais, je voyais mon fils en train d'expliquer le jeu. Puis, tu sais, d'une oreille, je tendais une oreille relativement intéressée. Puis, je me tenais prête des fois qu'il est mêlé d'une règle ou quoi. Non, non, là, il expliquait comment faire un personnage, vraiment. Puis, dans l'ordre, tu sais, je pense qu'il se souvient assez de la procédure. Puis, écoute, après ça, ils ont joué. Écoute, je veux dire, les rires, là. J'entendais, là, sa gang rire, capoter, crier. Tu sais, l'intérêt était là, puis lui, il est sûr qu'il n'a pas préparé aucune aventure, il improvisait de quoi, puis ça avait de l'air d'être captivé, il avait l'air d'avoir du fun, c'était job done, good. Tu sais, une table heureuse, un jeu qui les intéresse, voilà, il jouait, fait qu'il menait ça comme un vrai chef. Mais voilà, papa Rollis est fier de son fils. Puis je sais que les deux autres vont... Je m'attends à ce qu'ils emboîtent le pas. Avec la même intensité, je ne sais pas, mais ils ont de l'intérêt, tu sais, clairement, tu sais, ils aiment ça être rôliste, puis tu sais, je suis content, je le sais, les bienfaits du jeu de rôle, c'est quoi, hein? Ah, ça nous rend heureux, ça nous fait, tu sais, ça nous fait nous échapper, et tu sais, on embarque dans une histoire qu'on ne sait pas comment qu'elle va finir, puis tu sais, c'est ça, fait que, tu sais, clairement, il y a dans sa poche en arrière un hobby qui va le suivre toute sa vie, là. Clairement, il est de plus en plus autonome. Ça veut dire qu'il va faire ses propres choix. À un moment donné, il va peut-être aller acheter ses propres jeux. T'sais, il va commencer à aller dans cette direction-là. Ou il va fouiller dans mes livres, dans ma bibliothèque. Mais néanmoins, reste que là, c'est vraiment ancré. C'est pas juste comme un trip quand il était plus jeune puis il passe à autre chose. Non, 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 non. Il a le désir d'être là-dedans, de faire ça comme hobby. Fait que voilà, papa Rollis est super fier. Fait que je sais pas si vos enfants sont rôlistes aussi, s'ils ont suivi ces chemins-là, ou si vous jouez avec eux autres. En tout cas, vous pouvez partager vos expériences en bas, mais reste que calme, c'est ça. C'est vraiment cool. En tout cas, c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte de JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.